sorti un profit dans tes misères, non plus des récits qui font l'acheter. Vous le passerez à vous et vous permettre peu à vous-même et de voir clair autour de vous. Largement fait un grand tour. Permettez que j'ai dit le bonjour. C'est un petit critique littéraire. Je vais dire deux petits mots sur ce livre-là. Oui. Voilà. Ce livre-là, franchement, il est magnifique. Je l'ai pensé, il n'y a pas de chapitre. C'est-à-dire, c'est un livre qui coule. Il n'y a pas de chapitre. Tout est bloqué. Ça va rapidement. L'auteur a mis de l'intensité dans le livre. Voilà. Elle m'a ramené à des livres comme des livres de Kuruma ou de Alain Mabongo. C'est vraiment magnifique. La langue est vraiment très bien cisaillée. Elle a vraiment utilisé les mots. Elle a choisi les mots, franchement. Ce qu'il faut savoir dans ce livre, c'est qu'il y a quatre tranches de vie. Ces quatre tranches de vie, c'est-à-dire quatre personnages qui vont se rencontrer, qui vivent dans la même société, mais qui vont se rencontrer à travers les misères que ces personnes vivent ou à travers cette volonté d'accumuler les richesses. C'est ainsi que ces personnes vont se rencontrer. On nous parle d'abord de Sidoine qui est un entrepreneur qui est vraiment découragé de la vie, qui par la suite va rencontrer Lakota. Lakota qui est sorti d'un mariage prévu parce que son homme se jouait trop catégorique. Il voulait la dominer. Voilà. Il empêchait de prendre son envol. Et Lakota va manifester cette forme de féministe là. Donc il trouve que l'auteur est un peu féministe parce qu'elle a essayé de nous montrer cela. Pas un peu, même beaucoup. Parce qu'il n'a pas seulement que Lakota, il y a aussi Oro, la députée. Non, Oro, celle qui a voulu être mère. Voilà, donc il y a cette forme de féministe qui est rentrée dans le livre. Donc le livre est très actuel. C'est très beau livre. Et il y a toute une liste de recommandations. Tu ne peux pas marcher derrière quelqu'un, marche à côté de lui. Si tu ne peux pas courir à côté de quelqu'un, dépasse-le. Si tu ne peux pas copier quelqu'un, crée. Si tu ne peux pas coller, invente. Si tu ne veux rien faire, ne te plains pas. Si tu veux faire quelque chose, fais-le maintenant, pas s'il fait beau demain. Les conditions ne seront pas remplies lorsqu'on décide de faire quelque chose. Mais commençons. L'océan bénéfique, pas l'océan Atlantique. Ce pays et cette ville n'existent pas. Si vous croyez que c'est faux, voir la carte géographique du monde. Les habitants de ce pays s'appellent les Labalabalais. Et ceux de cette ville, les capitaliens. Pas les capitalistes qui aiment l'argent et qui courent toujours après l'argent. Par conséquent, sur toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants, ayant existé ou allant exister, ne serait que véritable coïncidence. De notre époque, la société moderne. Et ce sera intéressant d'attendre vos retours sur le livre. J'aimerais bien connaître vos impressions et puis assister aux discussions. Merci à tous et bienvenue. Ok. Un pouvoir. Et c'est ce que ce livre montre, c'est que chacun a un pouvoir et un immense pouvoir qu'il ne connaît pas. Et chacun pense qu'il ne peut rien faire. Et effectivement, il faut se lever pour faire changer les choses. Voilà, alors qu'on peut faire beaucoup de choses si on le décide fondamentalement, d'accord ? Revêt dans les flaques d'eau ou les caniveaux. Où irait-il ? Ils ne pouvaient retourner à l'état sauvage ni sur leurs terres originelles. Il survivait donc, la queue courbée entre les pattes arrière, les oreilles plaquées sur le crâne et les yeux en constant mouvement, car le danger pouvait venir de partout. Le corps, le leader, vous voulez qu'on fasse circuler ? Amala Amoa, Asamala c'est mon prénom et Amoa c'est mon nom de famille. Je suis écrivaine et je suis l'auteur de S'il fait beau demain qui a été publié aux éditions Eburny à Abidjan. Je pense qu'avant d'annoncer le thème, c'est surtout de dire que c'est sur un ton plutôt léger et sur un ton
sur le ton de l'humour que l'ouvrage traite de problèmes urbains, de bonne gouvernance, mais surtout au niveau local. Les dépendront de mon inspiration, chose que je ne peux pas prévoir à l'avance. Merci.